Bien le bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes en milieu de semaine déjà et on vous espère en pleine forme. Merci en tout cas de votre fidélité, merci d'être avec nous, merci de vouloir démarrer votre magnifique journée de mercredi en compagnie de la montunole de la télévision togolaise. J'ai ouï dire que presque deux décennies maintenant, presque, oui, plus de deux décennies en tout cas avant, la chaîne mère commençait à 17h30. Et finissait à 22h. Voilà, ça commençait avec « Tu n'étais pas née, ma belle amie ». Donc, il y avait, comment dire, des dessins animés qui démarraient. C'est vrai? Toi, tu étais à Guérin, il n'y avait même pas de problème. Elle a écouté la conversation. Non. Parce que on ne m'a pas parlé. On faisait Barbe Rouge. Oui, Barbe Rouge. Ouais, Philopathe et Pataphile. Ah, très bon dessin animé, hein. Ouais. Toi, tu serais qui, Philopathe ou Pataphile? Bonjour, monsieur Elias. Philopathe. Mais Philopathe. Bonjour. Comment allez-vous, madame Aïcha? Bien. Je vais aussi bien. J'aime bien votre Merci. Couleur, la couleur blanc-noir, pour pouvoir ravir, et le petit pois. Petit pois. Ça, c'est un petit pois, ça. Mais c'est qu'il y a des points-points dans les trucs noirs, point-point blanc dans les trucs noirs. Dans Émilie, comment tu vas? Un tissu noir. Bonjour Aïcha, je vais très bien. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bon retour, Merci si je peux beaucoup. Me le permettre. Si tu ne nous as pas ramené du Adjeké, il faudra repartir. Voilà. Quel coup de gosse ce matin comme ça, il ne faut pas doucement quelque chose. Non, en vrai, je suis contente de te revoir aussi. Et contente aussi d'être sur le plateau de Nectar ce matin. Et bonjour spécial au tonton qui est en train de mettre sa cravate en ce moment pour aller au boulot. Bonjour spécial à la tata aussi qui court de gauche à droite pour ne pas être en retard. Et la maman qui sort ses marchandises pour pouvoir vendre ce qu'il faut. En tout cas, cette journée, nous pensons tous à vous. Merci. Parce que malgré vos occupations, vous nous prêtez quand même attention. Aujourd'hui, c'est mercredi et je suis là. Ça va parler littérature. C'est Émilie Débé, la petite fille qui a l'habitude d'aller à la plage là. C'est elle. Bonjour. Plage orange ce matin. Non, la plageuse. En fait, personne n'a voulu aller vers ce. Non, en fait, hier, je pensais à l'histoire. Je me suis dit, bon, ça peut être mon identité. Donc, quand je vais venir aujourd'hui, je vais dire moi-même. Hein? Donc, ça veut dire que tu as repris. Ouais. Non. Tu as su. Je n'ai pas appris. Je peux glisser un mot rapidement. Dans l'art du clash, en rap, on nous conseille toujours de parler de soi avant d'attaquer l'autre. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc qui veux-tu attaquer? Non, mais quand... pas forcément attaquer, mais quand elle vient, elle parle d'elle-même, parce que c'est que c'est un sujet avec lequel on l'attaque souvent. Donc, elle prend l'avantage sur nous tous, là, et quand vous direz qu'à la plage, elle va dire, ah, ça va, je l'ai déjà dit et tout, donc c'est ça. Comme je la connais, elle n'est pas aussi sournoise. Ah oui? Elle n'est pas noire? Elle n'est pas aussi sournoise, elle n'est pas. Elle est frie, elle est franche. Sournoise, c'est une personne qui est sur le noir? Non, c'est une personne qui est un double jeu. On a nous les fiti-fiti, mais quoi. Donc, vous voulez dire, c'est moi qui suis... Je ne sais pas, vous êtes vos sentiments, morveux. Non, ça va, je suis en bonne santé. Vous êtes en bonne santé? Ouais. D'accord, donc personne n'est sournois. Ouais. Voilà. En fait, quelqu'un de sournois, c'est quelqu'un de calculateur. Quelqu'un qui se dit, je vais faire ceci parce que, voilà, et tout ça là. Ah. Des fois, il y a des gens qui vivent juste pour vivre, en fait. Free, la vie, bon, ouais, quoi. Si. Donc, je crois qu'Emilie est beaucoup plus dans la deuxième catégorie. Un peu comme vous allez loin. Moi? Oui. Non. Vous êtes sournois? Non. Calculateur? Il y a l'embrayage, il y a le frein, il y a la vitesse. On calcule tout. Hein. Ah bon? Donc, vous êtes calculateur? Je... Bien. Alors, monsieur Wanda, j'allais dire monsieur Wanda Ataï. Oh, quel nom! Oh, mon Dieu, quel ordre! Quel... C'est... Attendez, attendez. Quel... Non. En fait, non mais, l'horreur, c'est quoi, là? C'est beaucoup plus... ne le prenez pas mal, mais c'est beaucoup plus un mauvais commentaire par rapport à M. Honda. C'est lui qui devrait plutôt s'énerver. Je suis désolée. Moi, je ne le prends pas mal, hein. Non, ça va. C'est...
En fait, on ne calcule pas votre avis. Ah oui? Oui. Okay. Monsieur Wanda, comment est-ce que vous allez? Bonjour déjà, Acha. Bonjour. Je vais bien. Et je vous espère aussi en pleine forme. Bah, répondez. Non, en fait, je vous parle directement. Oui. Ouais. Ah. Il vous voit, il vous dit. C'est la seule personne qui s'intéresse à moi. D'habitude, vous faites vous tous. Ah non. Mais lui, ah, s'intéresse. Ah non, c'est pas vrai. Non, je suis pas d'accord. Là, on fait une marche de protestation contre cette phrase-là parce que d'habitude ici, on demande d'après vous et puis vous nous dites des fois, voilà, on fait, ça va, on fait avec, on est là. Vous avez des réponses que moi je maîtrise ailleurs que je connais parce que quand je vais rejouer des fois l'émission, je dis ah bon, voilà, c'est une belle réplique que je peux adopter. Que je peux adopter pour... Voilà, et donc... On va aller là. Ah, oui, c'est bon? Ça va, je suis calme. Bien. Donc, pendant que vous êtes en train de faire des conciliabules pour votre mot d'ordre pour la grève, on va laisser M. Wanda me reposer la question. Donc, vous m'avez demandé comment est-ce que je vais. Oui. Je rends grâce à Dieu, M. Wanda. Super. Ravi de le savoir. Voilà. Et bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Vous vous portez bien, j'espère. Ok. Oh, grâce à Dieu. Bonjour, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, encore une nouvelle journée. Comme le dit l'écrivain José Cadalso. Ah, oui. Je le connais. Est-ce qu'on peut jouer? C'est Paraguay. Non, c'est un espagnol. Hein. Est-ce qu'on peut un jour essayer? Là, ça va être Rosé. Rosé, je suis désolé. Est-ce qu'on peut un jour essayer de commencer cette émission en étant sérieux? Ah, on est sérieux. Moi, je suis mon ton tout sérieux, là. Quand je suis venu, je me suis dit, ben voilà, il faut être sérieux. Donc, je suis et professionnel. Ah oui? Donc, je suis voilà. Un professionnel. Donc, monsieur Wanda, le oui. Vieux, d'ailleurs. Voilà. José Carasso. Bien. Alors donc, nous vous écoutons religieusement. Okay. Comme l'a dit l'écrivain José Cadalso, le patriotisme mal compris, au lieu d'être une vertu, devient un défaut ridicule. Alors aujourd'hui, nous allons parler du patriotisme, nous allons parler du civisme, nous allons parler du citoyenneté. Restez connectés, vous serez servis. Merci infiniment. Oui. Nous allons parler citoyenneté. C'est vrai que... Ce sont des, on le dit, mais c'est d'actualité. Hein. Présentement, on parle de citoyenneté et de patriotisme pour motiver les uns les autres à aller justement faire leur carte d'électeur, de se préparer en vue des élections qui arrivent. Donc, merci infiniment, M. Wanda. Il est fort à propos qu'on puisse en parler aujourd'hui. Tu as dit, pas José, on va dire Rosé. Rosé. Comment on va appeler Semifa, là? Non, restons au pays. Oui, mais parce que c'est Semifa qui arrive. Ah ouais, Semifa, donc viens, qu'elle vient rapidement. Alors, notre belle Light. Oui, voilà, Light, voilà. J'ai... Notre magnifique Light. C'est très American, you know. Yeah, voilà. Oh, Light. Comme l'a dit Togui, il y a un village à l'Opoubaïa. Ton village, comment on l'appelle? C'est Togo. Tu connais pas ton village, toi? Tu connais pas ton village. C'est grave, hein? Tu vas parler. Elle réfléchit. C'est pourquoi on demande. Elle réfléchit. Je vais parler. Oui, c'est vas-y. Ça qui est Vegbéa. Il y a une différence entre Evie et Vegbéa. Je me le demande. Voilà, donc on va te laisser souhaiter la bienvenue à tous nos téléspectateurs dans la magnifique langue que tu parles si bien. Alléluia. Amen. C'est parce que tu as attendu Maou. Moi, j'avoue que voilà, il y a Semifa. Tu veux. Hein? Elle nous prend maudit. Sorry. Via Blomi. Maudit. Oh. Ne me blâme, Fiore.
Elias, quand même. D'habitude, je ne fais pas tout ça. Du tout, tape là, ma fille. Tu es assurée comme toujours. Voilà. J'aime bien. C'est ça. C'est vrai que tu m'as perdu. Alors, on va permettre. Tu t'es perdu, hein. On va permettre à Sandy et son. Qui? Voilà. Moi? Vous deux, vous êtes comme la ronde, enfin, oh, on va vous laisser. Sandy, aller. Quel honneur. J'ai... Viens que je te. Viens que je te prenne. Voilà. Oh là là là, Sandy. Oh là là là. Bien le bonjour chez vous à la maison. Comme vous voyez. On va très bien. Ah. Moi, je veux vous souhaiter aujourd'hui cette chose-là qui ne dérange pas, cette chose-là qui ne vous méprise pas. Cette chose-là qui vous donne la tranquillité et c'est la paix, tout simplement. C'est mon bonjour. Ah oui, c'est notre bonjour. Notre bonjour. Voilà. T'es pas ça là, tu t'es. Non mais attendez, j'ai tenu comme ça. C'est un lancé de voilà. Je peux dire bonjour aussi? Non. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent, soyez bienvenus. Je salue, voilà, tous ceux qui nous suivent. Et qui ne nous écrivent jamais. Oui. Et il y en a qui prennent le portable et disent je veux les. Ils n'écrivent pas. Mais faites-le, les amis. C'est moi, bonjour. Voilà. J'ai été court. Hein. Très. Hein? Très magnifique. Je me suis entraîné à la maison. J'ai vu ça. Ouais, parce que paraît-il que je fais des introductions kilométriques et que voilà, je me suis dit ben, autant le faire métrique et puis centimétrique, un truc. Millimétrique. Non, centimétrique, c'est mieux. Millimétrique, c'est quand j'ai rien dit. Ça fait une seconde, je crois. Bien. En tout cas, on essaye comme on peut. Allez, on va vous accueillir comme toujours. On sait si bien le faire avec une magnifique chanson. On va rejoindre des frères togolais qu'on aime beaucoup. John Keder, en featuring avec Oli Big et Pondi Sissé, fils du pays. Yo so pana bobo, a bobo. Pusio me boa, pusio me sawa.
una chala, quiere una chala, quiere una chala, quiere una chala, quiere una chala. Hace na yeburu ser mamoro nyo ser jare nvana, nerege duru weko, Africa via, Togo via, Epa mate, Bojiwa via, Mali via, Epa mate. John Keder en featuring avec Olivier Gepondi, Cissé, fils du pays. Et nous avions donc le professeur Wanda en compagnie de madame. Voilà, qui était en train de nous expliquer un peu la chanson. Non, la chanson parle tout simplement encore du patriotisme et autres. Hein. Ça parle de... Bon, la plupart des temps, des fois, on est un peu découragé. On parle mal de notre cher pays. Éviter de mal parler du pays. Éviter de dire... je ne sais pas s'il faut des vilains mots. Parce que le Togo, c'est notre pays. C'est nous qui allons la construire. Ce n'est pas d'autres qui iront construire pour nous. Donc, ça parle un peu de tout ça. Là. Donc, laisse moi d'enchérir. Pour enchérir, la chanson parle du... Du fait que, avant de dire moi, 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 il faut penser au collectif. Donc, la chanson est en train de promouvoir le patriotisme ainsi, penser aux autres, penser à nous, le nous, et non le moi. Ne pas être individualiste, parce que le patriotisme fait appel à nous tous qui sommes le fils du pays, et non à une seule personne qui doit faire ses tâches ou bien à qui la tâche est déléguée, on lui dit c'est lui qui doit faire et nous, on ne participe pas. Donc, participons ensemble pour la construction du pays. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, participons ensemble pour la construction du pays. C'est très important. On ne cessera de le dire. Hein. En tant que Togolais, l'amour, voilà, il faut qu'on l'ait absolument et contre tout. On adore nos éperviers. Des nouvelles, monsieur Elias Ataï ? Les éperviers vont bien. D'habitude, je prends le temps de suivre les performances des éperviers dans les championnats internationaux tous les week-ends. Donc, on dirait qu'ils se portent bien et que vivement la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive en Côte d'Ivoire. Même si on n'est pas bien parti, on continue toujours pas à espérer par rapport au match à venir qu'ils vont faire des victoires. D'accord. Ils arrivent à faire des victoires. Enfin, ils arrivent à gagner tout le reste des matchs. On croise les doigts, quoi. Qu'en est-il des éperviers d'âme qui nous avaient tellement fait vibrer Je sais qu'il y a plusieurs noms parmi ces dames-là qui ont été, je ne veux pas, achetées, c'est ça, par des clubs. Pas d'autres clubs, même il y en a qui sont partis en Europe, il y en a qui sont partis dans les pays africains, et il y a même eu un rassemblement tout dernièrement de ces dames-là, en vue d'une compétition, je me rappelle plutôt du nom, mais je sais quand même que ça continue pas à travailler, enfin un coucou à madame Yvette Clousset, qui gère le dossier des femmes au niveau de la Fédération togolaise de football, donc voilà, je sais quand même que la politique par rapport au football féminin continue, et que ces dames-là vont bien.
Eh bien, voilà. Donc, aujourd'hui, rapidement, je voudrais quand même, avant qu'on aille à la bourse, poser cette question. Émilie, quel est ton sport préféré, à part aller à la plage? Le zouk. Le zouk, c'est un sport? Ah. Le zouk, c'est un sport? Oui. La danse? Bon, je dirais que j'aime le tennis. J'aime... voilà, pas encore. Elle un l'aime? Un peu. Elle ne pratique pas. Mais j'aime aussi le basket. Voilà. Voilà. Parce que on m'a... Non, je vous explique. J'aime les couleurs qui sont choisies, surtout si je peux donner une équipe NBA, j'adore. J'aime surtout avec des entraîneurs femmes, les entraîneuses, femmes que nous avons maintenant, surtout une qui fait vraiment de tollé sur les réseaux sociaux. Ça donne vraiment envie de s'intéresser à ce sport-là. Et après, j'aime le foot comme tout le monde, comme la majorité. Et puis hier, les gens m'ont fatiguée avec le match. Voilà. Sinon, j'aime bien le foot. Finalement, qui a gagné hier? C'est match nul. Match nul? Oui. Ah bon? Un peu partout. Ouais. Moi, je priais pour qu'il y ait des délestages parce que franchement... c'est pas gentil. Non. C'est pas gentil. Non, mais c'est un gros match en même temps. Un gros match et puis c'était comme si c'était ça. Ouais, c'était ça. Puis, le monde s'arrête sur ça. Comment? Donc, bref. Non, mais toi, tu aimes plusieurs sports finalement. Oui. Tu es sport fil. Je suis. Toi, tu filmes. Non, sport fil. La sport fili. Je sais pas si vous comprenez ce mot. Genre, j'ai le fil sport. Le sport. Ouais. Non, l'amour. C'est un peu comme il y a les athérophiles et tout ça. Ah non, tu vas. Non, pas là. C'est comme on dit théophile. Oui. Pas... Théophile, il aime quoi? Théologie. C'est de l'amour de Dieu. Ouais, fil. Le fil, c'est l'amour. Ah, mais moi, j'arrive souvent avec des expressions qui. Et puis nous, on ne comprend pas. Voilà, qui sont à un niveau là. C'est pas ça que tu aimes, qu'est-ce que tu portes? C'est mes fois, elle est danseuse, à part ça. Après la danse, avant, je jouais beaucoup au foot. Au foot? Ouais, j'ai arrêté. Toi, tu jouais quelle partie sur le terrain? Supporter ou. Non, j'étais gardien. Ouais. Pourquoi les gardiennes? Ah ouais, c'était ça. C'était ça. Et à part ça, je jouais aussi au basket et je faisais aussi du tennis à la fois. Et je nageais. Donc j'avais commencé aussi avec du volleyball. Bon, j'aime tout ce qui est sport en fait. Donc, mais ce sont ceux auxquels j'ai joué. Donc, ceux auxquels j'ai touché que j'aime beaucoup. Et pour le reste, j'apprécie. Qui a déjà fait un marathon? Moi. Sur combien? Je ne me rappelle pas trop, mais c'était vraiment large parce qu'en Chine, c'est. Moi, j'ai fait le tour de ma maison. C'était une grande étendue. Donc, il fallait courir en équipe. Deux tours. Le tour de quel terrain? De ma maison. Voilà. J'ai appelé les enfants du quartier. On a fait le tour. C'était ta maison. Je l'ai deviné. C'était extraordinaire. Hein. C'était un moment épique. On a même dessiné des trucs sur la route comme ça. 2 mètres restants. Non, c'était bien. C'était une réussite. D'accord. Okay. C'est pas une mauvaise idée. Hein. C'est pas grave. Un truc comme ça. Toujours de belles idées. Oui. C'est alors, une mauvaise idée. La Sandra, nuit ou bien la midi elle aime faire Zumba. Non, j'ai fait le football quand j'étais un peu plus jeune. Je jouais dans le quartier parmi les garçons. On a quoi ici? Bon, j'ai gardé les bons souvenirs. Je patinais aussi beaucoup. Ah. Oui. Le patin, oui, je patinais trop. Ah oui. J'aimais trop ça, donc... Tu n'attrapes pas le mur pour aller? Non, j'ai eu 2 patins. Parce que nous, on trappait... Non, je patinais bien. J'ai fait beaucoup le vélo durant... déjà, à partir de CP2 jusqu'en 6e, j'ai fait beaucoup le vélo. Et après, au collège, c'était le basket. À part les grimper, j'aimais trop les grimper, je ne sais pas pourquoi. Grimper, hein. Ma vie aimait grimper. C'est vrai? Oui, les grimper, non. Discipline de sport, c'était mes favoris, les grimper. Grimper vitesse. Des fois, je venais même un peu plus tôt. Prendre les cordes avant de rentrer en classe. Grimper, c'est trop doux. Et grimper.
À part ça, j'ai toujours rêvé les tennis, mais je ne l'ai jamais fait quand même. Tennis et golf. Très intéressant. Le golf, le sport de Luce, là, j'aime bien. Le sport de Luce? Oui. Ah, tu as dit football, là, ce n'est pas le sport de Luce pour non, moi. Non, c'est personnel. C'est-à-dire le tennis et le golf, là, bon, je me dis, bon, je ne l'ai jamais fait, mais bon, j'aime bien. Surtout les tenues de... Mm-hmm. De quoi? De tennis. Ah, tu regardes les tenues? Au moins, j'adore, en fait. Ben, elle, au moins, regarde que les tenues. Il y en a qui regardent carrément les joueurs. Ah, ah oui? Oui, il y en a qui sont intéressés par une discipline ou une autre que par... parce que, voilà, à cause des joueurs. Ah, ces gens-là. Ce sont les joueurs qui emmènent. Après, on s'intéresse à la discipline. Ah, ces gens ne sont pas gentils. Pourquoi? Ils ne sont pas gentils. Toi, tu es... Extra... Tu es... Pour toi, ton... Ton Manitou, c'est... Comment il s'appelle? Cristiano Ronaldo? Non. C'est qui? Emmanuel Adebayor. Tu fais placement de produits, Elias. C'est vrai. Bon, d'accord. Mais tu aimes aussi, à part Adebayor, tu aimes aussi qui? Messi. Kylian Mbappé. Et... Bon, j'aime Dakonam aussi. J'aime ça, hargne. J'aime vraiment ça, hargne. Et... Il y a une grinta, c'est-à-dire, j'aime bien son côté. Voilà, et puis, il y a plusieurs joueurs que j'aime. Mm-hmm. Et parlant des stars de sport, moi, je suis très sport. Hein, je n'ai pas de choix, je ne pratique pas, malheureusement. Voilà, je suis beaucoup de joueurs. J'aime le basketball, le LeBron James, j'aime le Camerounais qui a reçu le MVP, là. Je voilà, oublie son nom. C'est votre portable que je vois. Non, j'en refuse. Et j'aime le tennis. Mm-hmm. Roger Federer, c'est mon Nadal, best. Même si voilà, Carlos, c'est comment son nom, Carlos Alcaraz, c'est le nom du jeune qui est presque numéro 1 mondial maintenant. Il est très jeune. J'aime quoi encore, le golf. J'aime le golf à cause du Tiger, tu sais, du tigre. C'est lui qui m'a fait aimer. Aussi. Ouais, comme tu le disais, le joueur qui t'attire vers le sport. Mmh. Donc j'écoutais tellement son nom que je me suis dit bah, pourquoi ne pas m'intéresser. Il est bon. Ouais, il est bon, même s'il est plus. Bon. Tu sais, Tiger, il est plus. Il y a mieux que lui maintenant. Il y a mieux que lui. Donc le football, c'est ce sport qui nous a fait grandir. On a vu les grands frères pratiquer. Et après, nous aussi, on s'est dit qu'on allait jouer au football. On était dans le terrain, sur le terrain. On nous mettait le numéro 6 au dos, mais en vrai, on ne faisait rien et tout. Donc, ce sont des choses. Moi, c'est ça. Parlons de foot. Est-ce qu'il y a encore Kwego? Oui, je pense. Il y en a encore? C'est quoi Kwego? Kwego, c'est une balle que nous jouons. Très dur, hein? Oui, très dur. Et puis, ça faisait mal aux pieds. Oui, oui. Il y a Kwego et il y a Vis. Il y a certaines parties de Kwego, si tu joues ça, ton pied, tu vas sentir. Vous savez ça, on fait le poids. Enfin, on fait le poids. Oui, j'ai joué avec Kwego. Blan avec Béantoy. Blan avec Béantoy. J'étais la seule fille parmi les garçons. Donc. Et tu blan avec Béantoy? Petite, là, quand je viens, moi, je... Micro. Ça blague Béantoy micro. Allez, dites-nous, chers amis téléspectateurs, par rapport à vos loisirs sportifs, bien sûr, qu'est-ce que vous aimez tant pratiquer que regarder, par exemple, hein? Il y en a le foot... Le chant. Oui. Ça aussi, ouais. Moi, c'était pendant les vacances. Non, je suis pas d'accord. Non. Ah, papa, non. Oui, c'est un sport, mais ce n'est pas un sport. Oh. Oui, je suis désolé. C'est dire quand vous le faites physiquement, vous êtes bien. Oui. Parce que c'est un sport. Oui. Mais ce n'est pas un sport comme une discipline sportive. Oui. Genre inscrit à quoi? Comme finissant. Sport olympique et tout. Là, ah, ouais. Il y a le canoë aussi, qui est un très bon sport. Le canoë kayak, que j'aime bien. Et le judo. Waouh. Alors, il n'y a personne qui va se détendre en faisant du jet ski, des choses de ce genre. Vous n'aimez pas trop la vitesse? Oui. Moi, je n'ai pas eu l'occasion. Mais tu fais du jet ski d'une manière un peu... Bon, pas dangereuse, mais en tout cas... À Kégué, on a quelque part là-bas où tu peux vraiment... C'est jet li ou jet quoi? Tu sais, je connais. Au karting? Tu peux aller au karting faire... Non, je ne parle pas du karting. Je parle du karting, jet ski, les jeux sur l'eau. Ah oui! Fait ça. On fait ça sur Thoreauville? Oui. Oui. Mais je n'ai jamais fait. Ah oui? Pas encore. C'est ça qui pas fait pas quoi? Qui l'a fait? Quoi? Bajana, jet ski, Monsieur Wanda? Personne? C'est un art ou c'est karaté? Non! Bon, c'est bon. Ok. C'est du karaté sur l'eau? Non, pas du karaté. Elias. Il faut prendre ton contact.
Parce que moi j'entends jet ski. Non, jet ski. Ski. Au moins tu connais le ski, non? Quand c'est ça, fait. Tu mets les gilets de sauvetage et puis tu es sûr. Ah non, ski dit, l'aller et nia. En fait, avec un peu de vitesse, ça fait. Je pense que ça doit faire vraiment. Le cerf volant, la pêche. Ça fait du bien. La moto, là? Oh, Elias, elle vole. Parce que je vous rappelle qu'il y a 1 million de personnes qui ne se retrouvent pas dans le jet ski que vous dites. Jet ski. Je salue Monsieur Ataï, papa de Monsieur Elias, qui lui a donné une super belle enfance et une bonne éducation également. Donc, on se comprend. Allez, merci infiniment. Merci de nous partager vos loisirs. Matana, bonjour. Loisirs. Sport. Le chant. Bonjour. À part le troisième samedi. À part le chant. Bonjour. À part le chant, comment? Bonjour. Bah, n'allait pas au chant. Bonjour, téléspectateurs. Bonjour. À part les boules, bien sûr. J'aime la chose pétanque. Oui, je savais. J'aime aussi un jeu que je viens de découvrir. Ah bon? House shoe. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble au pétanque. Non. Tout ce qu'il y a, pétanque là. Oui. Baby. Et puis j'aime le football, ouais. Ça, c'est basket et motocross. Ah ouais. Elias, tu sais, nous, le football, on a commencé avec un petit ballon là, qu'on appelait Watapolo. Watapolo. Oui. Après ça, si c'est percé que vous ne trouvez plus, vous n'avez plus d'argent pour en acheter. On cherchait les chaussettes. Mmh. Les chaussettes. On met les chiffons dedans. Mmh. On donne une forme ronde là et puis c'est fini. Mmh. Je confirme. Non, tu ne connaissais pas, ne mens pas. Non, il y avait ça. Il y avait ça jusqu'au. Ah, nous sommes passés. Il y avait ça dans presque tous les pays africains. Oui. C'était une bonne technique de balle, le football. Bien, donc du coup, on attend. Dites-nous comment est-ce que. Jet ski. Ouais, je suis arrivé. Jet ski. Mais je pense que quand tu vas le faire, tu vas aimer. Hein. Moi, je. Ouais, tu vas vraiment aimer. Est-ce que tu as le mal de l'air ou le mal de mer? Les deux. Tu as le mal de l'air ou le mal de l'air? Les deux. Mal de l'air. Et puis c'est nous fini. Nous savons pourquoi nous disons les deux. Parce qu'on te connaît. Les deux. Allez, c'est parti. On va justement découvrir Monsieur Mal de l'air et Mal de mer là, avec une pensée motivante ce matin. Mais une chose est sûre et certaine. Elias, il n'a pas. Non. Ne t'aventure pas là, après. Non, quand même. Il y a toujours une expérience à faire dans la vie. Il faut aimer. Allez, c'est parti. Génial et puis pensée du jour. Je t'amène dimanche. Alors, quelqu'un a dit qu'il aimait le cyclisme. Voilà. Ouais. Il y a le Grand Tour du Togo. Ça fait longtemps qu'on ne l'a plus fait, non? Oui, je pense. Je crois que ça doit être à cause de la pandémie. Mais ça va revenir forcément. Parce que c'est revenu au Gabon. C'est revenu au Bénin, voilà, parce qu'ils ont terminé. Je crois qu'ils sont en train. Enfin, je suis, mais je n'ai pas bien prêté attention. Donc, ça va revenir au Togo aussi, forcément. Le Tour du Togo. Mais il y a les vélos qui coûtent bien cher. Hein. Oui, les vélos coûtent excessivement cher, c'est vrai. Ouais. C'est pas vélo, on conduit là, on pédale tout à la maison là, non. Plus que les motos, les voitures. Oui, non, ces vélos professionnels, comme dit Elias, c'est très ça cher. Extrêmement cher. Ouais. Parce que voilà, ce sont des vélos renforcés, ce sont des choses qui sont beaucoup plus. Donc, on le comprend et c'est tout à fait normal. Bien, alors Monsieur Ataï, nous sommes avec vous. On va avoir une petite pensée motivante. Il va nous parler de citoyenneté. Non, pas forcément aussi. J'aurais bien voulu. Mais nous allons parler plutôt d'identité, de fierté, d'affirmation. Une pensée qu'on a faite, je pense, c'est là, 2 ans, si je ne me trompe pas. Elle dit, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Mmh. Voilà, toute petite pensée, elle est toute courte. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà, c'est la petite phrase
que j'ai pour vous ce matin, je la répète encore, soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. Voilà. Donc, je voudrais que vous vous prononciez, s'il vous plaît, au plateau par rapport à cette phrase-là. Et voilà. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Quels autres? Après, on va en parler. D'accord. C'est une pensée de Oscar Wilde. Je m'en doutais. Qui est ou qui fut? Alors, on a du temps. Je ne sais pas si on a un peu de temps. On a. Non, là, vous commencez par. Non, vous c'est pas dire qu'on n'a pas le mal d'Elias. Non, mais j'ai. Le mal de l'air de mer, nous, on n'a pas le mal d'Elias. Donc, on a du temps. On a du temps. Exactement. Vous parlez de Oscar Wilde. Vous avez dit hier, qu'est-ce qu'il nous a dit de la Zambie à la Gambie. Ouais, je dis que voilà, je dis Noélie vous suit. Oscar à la deuxième page, elle a parlé de. Vous dites à Noali. La deuxième page. Oui, oui. Hier, par rapport à Noélie Mutongu, oui, c'est. Je parle de la deuxième page de son roman, qu'elle a dit Noélie. C'est un roman personnalisé pour non, toi. Non, non. Elle a dit quoi Alors, elle a dit. Vous voyez. C'est ça. Ah, non, c'est pas bien ce que Alors justement, soyez vous-même car les autres sont déjà pris. Soyez vous-même car les autres sont déjà pris. Mmh. Aujourd'hui, pour une fois, on va faire c'est un peu comme un meet-up où chacun a parlé et tout. Donc on va laisser Emily aller devant et puis nous donner son interprétation en pensant à tous ceux qui ne vont pas à la plage. Ok. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc, je pense que vous, c'est l'original que le monde n'a pas encore vu. Vous, c'est l'authentique. Vous, c'est l'unicité, en fait. Donc, vouloir être les autres, c'est copier. Vouloir être les autres, c'est de ne pas sortir, c'est de ne pas offrir ce plaisir à l'humanité de découvrir encore de nouvelles choses. Donc, c'est important, peu importe les domaines, d'être soi-même, de changer pour rien au monde, parce que votre original va inspirer quelqu'un à être aussi original ou bien à faire sortir de lui l'authenticité ou bien l'authentique. Voilà, c'est ce que moi j'ai compris au travers de cette citation. Et c'est vrai que quand on est soi-même, on est à l'aise, on ne force pas. Ça sort comme ça sort, voilà. Mais quand on veut bien être comme les autres, ça bug un peu. Et je pense que la pire des choses qui puissent arriver à un être humain, c'est de perdre son identité. Soyez vous-même et la vie est belle, quoi. Merci. Merci infiniment. Monsieur Honda. Alors, soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. Alors, moi, je dirais que nous sommes dans un monde aujourd'hui où plusieurs veulent ressembler à l'autre. Veulent ressembler à peut-être à quelqu'un qu'ils considèrent pour une référence et ils cachent leur propre personnalité. Alors que quand on sort ce qu'il y a en nous, ce qu'il y a de dons, de talents que Dieu nous a accordés, ça édifie le monde, ça amène un plus-value au monde. Alors quand on est soi-même, ça permet de sortir une certaine connaissance et une certaine aptitude au monde pour que le monde soit vraiment édifié dans plusieurs domaines. Et soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Les autres ont des préférences. Hier, nous avons parlé des préférences. Les autres ont des préférences. Et étant donné que ces autres ont des préférences, nous-mêmes, nous aussi, nous devons cultiver cet amour de soi, et cette estime de soi, parce que plusieurs, en voyant le monde de partout, en voyant ce qui se passe, ont un manque de confiance, et enfin, l'estime de soi inférieure, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à sortir le meilleur d'eux. Donc, nous devons être nous-mêmes. Les autres sont déjà pris. La pensée est claire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. On va y aller avec notre belle Sandy. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez parlé d'estime de soi. Ok, d'accord. Soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. Nathalie aussi va venir. La citation fait penser à plusieurs choses, mais moi je veux parler premièrement de notre identité.
quand nous parlons de l'identité, j'aimerais vraiment qu'on se tâle sur soi-même. Mais se tâler sur soi-même, c'est quoi? C'est s'accepter premièrement. Accepter ses défauts et ses qualités. Accepter d'écouter peut-être les suggestions, de s'arranger ou de se corriger. C'est aussi avoir son originalité. Je vais aller un peu sur le côté professionnel. Moi, je dis souvent, cendre à la nouvelle référence, c'est cendre à la nouvelle référence. Mmh. Je ne pourrais pas aller imiter ou bien je ne vais pas me casser la tête à me stresser pour avoir ce que l'autre a. Là, ça va vers, les autres l'ont déjà. Je suis focalisée dans mon domaine et j'ai mes spécialités. Ça s'arrête là-bas. Je ne vais pas me vendre pour dire je suis ci, je suis ça. En temps, je ne le fais pas. Ou bien je vais le faire pour me dire que je vais avoir de l'argent et m'auto-proclamer. Moi, la pensée m'amène vers là-bas. Garder son identité, garder ce que tu as de meilleur. Parce que Dieu nous a donné des talents différents, des dons différents. Le faire profiter des autres aussi, c'est aussi se proclamer ou c'est aussi s'affirmer. Ta particularité, ce que tu fais bien, qu'on t'appelle pour ça et que tu sois vraiment sûr de le faire au lieu d'imiter ou bien au lieu de faire comme les autres. C'est ce que je prends dans la pensée. Merci. Merci beaucoup, Sandy. Soyez vous-même les autres, Sonny Japri. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir qui est-ce que tu es. Tu te poses la question de savoir là où tu es, dans ton entourage, qui sont ceux qui t'entourent et où est-ce que tu vas avec ces personnes-là. Parce que, étant toi, il faudrait que tu t'entoures de ceux qui te valorisent, tu t'entoures de ceux qui sachent vraiment en fait qui est Émilie, qui est Elias, qui vous êtes. Parce que, à vrai dire, vous n'êtes personne sans aussi ceux qui vous entourent. Et si vous savez qui vous êtes, vous saurez qui est-ce qui doit être dans votre entourage. Parce que votre entourage aussi est en plus pour votre évolution. C'est ce que je veux dire. C'est bon. Donc, la question qui sort, en fait, de cette citation, c'est « Qui suis-je, selon vous ?» Merci beaucoup, ma belle. On a plusieurs messages, avant de permettre à M. Elias d'expliquer. On a un bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, c'est Jackie depuis Koussou. Je vous suis tous les jours, mais je ne vous avais jamais écrit. Voilà. Alors, du coup, quand M. Elias nous a visé ce matin, je voudrais vous saluer et vous souhaiter une bonne journée. Merci. J'aime le grimpé et la danse. Je vous aime. Salut Koussountou, je suis allé une fois. C'était comment? Dans la région centrale, non? Ouais. Oui. Donc, je suis allé, c'est entre Tchamba et Kaboli, si je ne me trompe pas. C'est par là, je suis allé. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Moi, j'aime beaucoup le football. Lorsque nous jouions au quartier en 2018, soit c'est la bagarre qui met fin au match, soit c'est le propriétaire qui prend son ballon bien et son sûr. Équipe ne gagne pas. Bon, la pas. C'est vrai. Je vais vous en parler après. C'était une expérience merveilleuse. C'est de la part de Semou depuis Pagouda. Merci infiniment. Merci. Alors, bonjour. Moi, j'aime bien la gymnastique et le foot. C'est Gilda depuis Daguet. Merci. Bonjour Gilles à vous tous. Bonjour. Celui qui se connaît peut ne pas chercher à être comme les autres. Exactement. Dans la jeunesse aujourd'hui, tous vos coachs vous disent prenez des motivateurs. Mais lorsque vous voulez leur ressembler, vous vous rendez compte que c'est difficile et vous perdez votre identité. C'est complexe, hein? C'est complexe. C'est complexe. Donc, Monsieur Ataï, que pensez-vous de cela? Je crois que cela répond à ce que le coach disait hier. Je crois que ça... Bon, on va laisser peut-être Elias s'expliquer et puis on verra. Mais je crois que ce n'était pas du tout pour aller à l'encontre de ce que disait monsieur... Monsieur Abouzou. Justement. Mais avant que tu ne parles, si tu permets, Bachana, soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. Oui.
faut être fier de son talent, de son caractère. Développe ton talent. Au lieu de vouloir ressembler à l'autre, je ne vais pas chercher à ressembler à Elias. Je peux apprécier ce qu'il fait, mais pas faire la même chose que lui. Donc, si je le fais, c'est que j'enterre le don que j'ai en moi. Donc, le talent et le caractère de Elias, c'est déjà pris par Elias. Je ne peux plus aller m'aventurer vers là. D'accord. Alors, on a cet autre message également qui dit bonjour. Bonjour. Selon moi, la pensée du jour veut dire où elle permet de poser une question pertinente. Qui suis-je? Il faut se connaître, savoir être soi pour ne pas être influencé par son environnement. Exactement. Cela permet de réfléchir sur les questions existentielles. D'où viens-tu? Qui es-tu? Où vas-tu? Ces questions se permettent à l'homme Non. Ces questions permettent à l'homme de se définir et de bâtir son projet de vie. Et lorsque tous ces éléments sont pris en compte, vous ne pouvez pas suivre quelqu'un puisque vous savez où vous allez, de la part du verbe noir. Voilà. Oh, verbe noir, c'est tellement un poète. Ou un slammer. Un slammer. Bon, c'est ce que je pense. Bah, je ne connais bien. Oui. Alors, monsieur Ataï, nous vous écoutons. Verbe blanc. C'est un bon nom. Alors, moi, vous êtes le tout, verbe blanc. Blanc. Tout a été dit. Et on commence par là. Tout a été dit. J'ai bien aimé, surtout le dernier message. Question existentielle. Qui suis-je? C'est mes phares, je reviens donc à toi. Si on arrive à répondre donc à cette question, je pense que tout est gagné. Et pour répondre à la question d'une autre personne qui parlait de se perdre dans ce que les coachs disent et tout, si vous savez qui vous êtes, si vous savez où vous allez, si vous connaissez vos forces, vos faiblesses, vos travaillez dessus, vous ne vous ferez pas perdre en fait par tout ce que, enfin, par toutes ces, enfin, qu'est-ce que je veux dire, tous ces cours, tous ces gourous des connaissances qui parlent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et tout ça. Vous serez vous-même, vous aurez le pied bien à terre et bien scotché sur vos objectifs et vous les atteindrez. Voilà. Et pour revenir peut-être et faire un clin d'œil par rapport à la citoyenneté, ça passe aussi par là. Parce que si vous connaissez, par exemple, votre identité, donc votre pays, vous connaissez vos traditions, vous connaissez les richesses de chez vous, vous ne vous ferez pas perdre. En fait, vous ne serez pas yeux en l'air et tout, tout en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Pourtant, il y a de la richesse et de très belles choses aussi dans votre pays, donc ici, le Togo. Donc, cette pensée, je pense qu'elle fait aussi un petit clin d'œil, quand on parle de citoyenneté, à ce thème-là, qui est très d'actualité et très important. Donc, soyons nous-mêmes. Cherchons qui nous sommes, nos forces et faiblesses. Je vais beaucoup en parler parce que si vous ne connaissez pas vos forces et vos faiblesses, vous ne travaillez pas dessus. Hier, on parle du coach, d'ailleurs, le coach il en a parlé hier, il dit, connaissez ses forces, vous les multipliez. Si vous connaissez vos faiblesses, essayez de voir comment les corriger et puis d'en faire aussi des forces. On parle d'actifs passifs et tout ça. Donc, chers amis, la pensée est pour nous tous, pas que pour vous. Nous aussi, nous sommes concernés. On continue toujours par travailler sur nos caractères et tout, pour devenir des meilleures personnes et rendre ce pays fier de nous. C'est très important. Je pense que j'ai fini. Merci beaucoup, Verbe Blanc. Verbe Blanc, voilà. Ça le fait. Ça le fait. Alors, les autres ont déjà pris, restez vous-même. Oui. Hein, donc, c'est vrai que, comme vous le disiez, beaucoup aujourd'hui, même sans le savoir ou sans le vouloir, on se projette en regardant quelqu'un d'autre. C'est juste qu'on doit veiller à ce que cela ne devienne pas un piège, quelque part. Il y a admirer, prendre comme mentor, chercher à ressembler. Et puis, il y a le côté négatif qui devient peut-être la jalousie ou l'envie et esprit, un mauvais esprit de compétition. Je veux être l'autre à tout prix parce que voilà. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que la pensée vraiment nous exhorte à nous connaître. Comme l'a si bien expliqué M. Ataï, on doit chercher à savoir qui nous sommes. Donc déjà, un petit exercice à chacun qui nous suit aujourd'hui. Si on est au cinquième mois de l'année, vous avez encore quelques mois, et que vous voulez redorer le blason ou changer un peu la barre pour mieux réussir 2023, prenons le temps de nous asseoir. Observons-nous. Regardons-nous vivre, comme dirait... voilà. Regardons-nous vivre. Cherchons à savoir quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles. Qu'est-ce que je peux concrètement faire
qui suis-je en fait? Est-ce que vraiment je me sens beaucoup mieux comme Emily qui se détend quand elle va à la plage? Ou alors, est-ce que je suis quelqu'un qui est très tactile comme Semifa? Est-ce que je suis quelqu'un qui est très, très discipliné comme Sandra? Est-ce que je suis un verbe blanc comme Monsieur Elias Attey? Et ainsi de suite, est-ce que j'aime beaucoup les citations? Est-ce que j'aime les animaux? Aller à la recherche du... Vous philosophez matin, midi, soir. Hein, voilà. Donc nous, au moins, on se relâche un peu. Mais vous, on se demande des fois, quand même, vous êtes tout seul, vous vous dites, je pense... Donc, je suis. Je suis en train de manger. C'est distillé. Moi, à un moment donné, se met devant son miroir, il prend son plat. Moi ou Wanda? Suis-je en train de manger? Donc, l'écrivain. Ah non, savez, on est bien charriés, hein, donc mais c'est vrai que c'est pour dire tout simplement qu'on doit chacun se connaître. À partir du moment où je me connais, je crois que je peux mieux gérer, comme le disait Elias, les conseils ou les, c'est pas tout comprendre qu'on doit prendre. Il faut prendre, mais il faut analyser quoi. Il faut ruminer, il faut chercher à voir ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour moi. Ne le sera pas forcément pour ce MEFA et ainsi de suite. Et moi, par rapport à ça, ce n'est pas pour encourager cela. Mais aujourd'hui, il y a un phénomène très mauvais qui se passe et qui est surtout là à cause de l'avènement des réseaux sociaux, qui est donc, tu sais, comment il appelle le body scamming, c'est-à-dire il y a le body negativity, il y a body positivity et le body scamming où aujourd'hui, ils se moquent. Voilà, les gens se moquent beaucoup des physiques des uns et des autres. C'est très violent. On assiste à des gens qui dépriment, qui se suicident même, qui font des choses. Connaissez-vous, si vous n'êtes pas qu'un corps, vous êtes une intelligence, vous êtes plusieurs choses à la fois. Entité, hein. Donc si vous êtes né d'une certaine manière et qu'en vrai, c'est comme ça que Dieu vous a créé, soyez fiers de qui vous êtes en fait. N'essayez pas d'être... C'est mes phares, d'être Sandra, d'être Wanda, Vachana, Elias ou autre. Faites soi. Soyez vous. Cherchez les points faibles de ce vous que vous êtes là et puis rectifiez-les et renforcez les points forts. C'est très important parce que beaucoup font face à ça aujourd'hui et c'est une arme qui ne dit pas son nom et qui détruit énormément de gens. Voilà, donc merci beaucoup pour cette pensée-là qui nous a motivés ce matin, monsieur Elias. Est-ce qu'on va vous demander de rester vous? Vous, même si on vous demande de ne pas rester vous, vous-même, vous vous aimez tellement que vous allez rester vous. Ouais. Je pense que la phrase est toute claire. Et vous le dites aussi, donc il faut s'aimer. Moi, je me permets de m'aimer à fond. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous suis tous les jours. J'aimerais moi aussi participer un jour. Je vous aime tous. Venez, Bachana est très gentil. Bonjour à vous tous. Bonjour. Vous êtes bénis. Amen. Merci. Amen. Pourquoi le ballon d'or togolais ne fait pas partie du staff technique? Monsieur Marcel du Burkina Faso. Quoi ou Marcel du Burkina Faso? On va laisser Monsieur Elias Attey répondre. Je n'ai pas compris la question. Moi aussi, je comprends. Bonjour à vous tous. Bonjour. Merci beaucoup à Tonton Elias pour les apports. C'est de la part de Monsieur Gildas depuis Dagué. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Gildas. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je me nomme Monsieur Sylvain. Je vous remercie beaucoup depuis Abidjan. Je voudrais profiter de cette opportunité pour saluer mon pays, le Togo, ma maman, ma tante, ma soeur. Bonne journée. Merci infiniment. Merci. Bonjour. Bonjour. Monsieur Attey, tu as tiré balle. Hein? Nous qui voulons être comme toi, on fait quoi? Soyez lui là. Allez-y, ne vous gênez pas. Essayez de prendre peut-être le bon côté d'Elias. Et puis... Ah, donc tu as de mauvais côtés. Ah, ouais, c'est clair. Je suis humain. Cite-nous un mauvais côté. Tu connais pas y arriver. Non, je ne vais pas me vendre devant ma fille. Est-ce que vous pensez avoir plus de bons côtés que de mauvais côtés? Je pense que, en termes de moyenne, j'ai beaucoup de travail à faire encore. Hein. Il faut le savoir. Donc, mauvais côté. Mais je laisse d'autres parler. Voilà, c'est mieux. Moi, je dirais que vous êtes quelqu'un de bien. Ah, l'enseignant! Aïchoua! Le goût de ça. C'est comme tu viens d'avoir... En fait, je voulais dire extrêmement bien. Et puis, quand j'ai dit bien, vous m'avez appelé comme ça, là, vous êtes un peu bien, voilà. Allez, merci beaucoup. Êtes-vous patriote? Très. Êtes-vous citoyen? Citoyenne? Très. Très? Mm. Vous avez votre carte d'électeur? Bien sûr. Monsieur Elias? Oui, bien sûr.
Madame Sandra? Oui. Oui. C'est mes femmes, pas possible, parce que quand on le faisait, elle était encore pas au Togo. Elle était en Ivory Coast. Elle était en Ivory Coast. Voilà la zone 2. Voilà la zone 2. La zone 2, c'est où? Je pense que c'est à Kpalimé, tout ça. La zone 2. Tchévié, Kpalimé. À Takpamé, Kpalimé, c'est ça? Oui, le lion de plateau. C'est voilà, il faut aller, il est important de faire sa carte. On ne va pas parler de carte d'électeur ce matin, mais en tout cas, on va parler citoyenneté. Et ce sera avec notre très cher monsieur le philosophe. Il faut que vous trouviez un nom de philosophe. Ouais. Sosten. Ouais, ça dit, ils ont des noms comme ça. Oui. Wanda Zangru. Wanda, là, c'est Zangru. Wanda Zangru. Il est philosophe. Wanda, ça fait diacre d'église. Moi, j'adore plus pasteur. Je n'aime pas les. Ah, enfin, tu vois, dans le de la science, Broda Wanda. Non, donc, on va retrouver monsieur le pasteur philosophe Sosten Wanda. Vous êtes d'accord? Ok. Si, non, pasteur philosophe. Il y a des pasteurs qui sont philosophes. Ah oui, ils sont tous presque. Oui, alors, oui, c'est vrai. C'est vrai. Le regard, ça sonne bien. Non, ça sonne bien. Ça sonne bien. ça sonne très bien. C'est toi en diaconesse, là, on voit pas. Non, non, oublie ça. Elle ne va pas accepter. Parce que le jour où tu es diaconesse dans cette. Dans ce... On va juste après le jingle retrouver Wanda et son invité. J'adore nos téléspectateurs. Quelqu'un dit qu'il faut appeler monsieur Wanda Lavoisier. Voilà, donc c'est un autre philosophe. Hein. Et puis, bonjour Nectar. Bonjour. C'est de nos tiens en allant. D'accord. Voilà, donc tu as. C'est jusqu'à quand pour la zone 2? Puisque la zone, chez nous, on a fini lundi. Donc la zone 2, ça a été. Ouais. Tu as le temps. Ouais. Tu as le temps. Ouais. Tu as le temps. Donc il fallait faire ta carte en zone 2. Voilà. Monsieur Lavoisier, Wanda, Zougrou. Sosten. Zougrou, là, est fort pour Madame Aïcha. Zougrou. Zougrou, là, c'est les philosophes. D'accord. Ben, écoutez, en tout cas, nous sommes ravis de vous avoir. Votre invité également est là. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment vous allez? Ah, je vais très bien. C'est-à-dire que vous... Ah, je vais très bien. C'est-à-dire que... Ah. Depuis, je suis venue. Franchement, cette famille, il faut qu'on aille en pèlerinage. On doit revenir en étant gentil, sage, moins certaines choses. Quoi. Voilà. Alors, on va vous laisser déjà dire bonjour et puis vous présenter vous-même avant qu'on ne puisse entamer les choses sérieuses avec le philosophe M. Lavoisier. D'accord. Merci pour l'occasion. Je m'appelle Adaba Kofi Amessou. Je suis sociologue de formation et je suis chercheur au Center for Research and Opinion Pulse, CROP, qui est le partenaire national des études afro-barométriques au Togo. Mm-hmm. Voilà. Quelqu'un a compris quelque chose? Non. Mais on a compris quand même. Émilie va nous dire rapidement, monsieur vient de dire quoi? Elle va le dire en quelle langue? Fais vite, tu as mis talon et puis pied sur pied, tu penses que quoi? Bon, j'ai écouté recherche, donc... Donc c'est un chercheur. Oui. Moi j'ai écouté afro-baromètre. C'est l'afro-baromètre là qui nous a... J'ai écouté, d'abord il a fait la sociologie, et puis il travaille avec quoi? Une structure anglaise. CROP. Centre de recherche d'opinion. Qui est dans le baromètre? Afro-baromètre. C'est Afro-baromètre là. Comment je connais? Afro-baromètre. Moi, je connais un peu. Il y a un tas à la fin. On va laisser Yassine expliquer. Je sais que quand j'écris des projets, par exemple, pour avoir des statistiques,
on va faire des recherches sur, enfin, on va faire des recherches et Afrobaromètre nous aide beaucoup parce qu'ils font des enquêtes de sociétés, par exemple, et ils ont des chiffres qu'ils donnent. Je ne sais pas si c'est par an ou c'est par trimestre, je ne sais pas trop, mais celle-là, moi, je trouve souvent des informations par rapport aux statistiques. D'accord. Par rapport à Afro, enfin, on a beaucoup de sujets, hein, pas que politique. Ok, d'accord. Merci, M. Ataïe. Alors, justement, avec notre invité ce matin, on parle... Avec notre invité ce matin, nous parlons de citoyenneté, civisme et patriotisme. Alors, avant de débuter, je vais citer Charles de Gaulle qui dit dans un de ses discours que le patriotisme, c'est aimer son pays et le nationalisme, c'est détester celui des autres. Alors, je vais poser la question au début pour savoir le patriotisme, le civisme et la citoyenneté, qu'est-ce qu'on sait? Et j'aimerais savoir en même temps aussi, quelle est la différence avec le nationalisme? Merci. Alors, patriotisme, citoyenneté, civisme, différence entre ces trois et le nationalisme. Alors, merci pour la question. Ben, tous les mots qui sont cités là sont difficilement définissables. Mmh. Il est très difficile de donner une définition assez exacte à ce qu'on appelle citoyenneté, à ce qu'on appelle le civisme, à ce qu'on appelle le patriotisme. Néanmoins, on peut donner des exemples pour s'orienter un peu. D'abord, on peut commencer par la citoyenneté. La citoyenneté, c'est un peu... vous allez voir que certains se définissent, par exemple, comme citoyen du monde, citoyen régional. C'est-à-dire que je suis citoyen de la CDAO, ou bien je suis citoyenneté locale, donc je suis citoyen d'un milieu donné. Mais là, on peut, pour se situer toujours dans cela, on peut revenir sur l'État. Donc, si vous êtes membre d'un État, alors il y a ce que nous appelons la citoyenneté juridique. Donc, le droit, ou bien vous êtes reconnu comme membre d'un pays ou d'un État. Là, vous pouvez dire, je suis citoyen togolais, parce que, voilà, il y a des preuves que je peux présenter pour dire, bon, ben, je suis tout citoyen togolais. Et puis, il y a mes pièces d'identité. Et tout ça là. Et bon, donc j'ai des droits comme j'ai des devoirs en étant togolais. Si vous êtes ghanéen, vous avez des droits. Si vous êtes américain, vous avez des droits et vous avez des devoirs. Donc, citoyenneté, c'est un peu quelque chose comme ça. Mais on peut se poser la question aussi. Hein, on peut être. Il y a des Togolais, entre guillemets, mais qui n'ont pas. Peut-être les pièces d'identité. Est-ce qu'on va dire qu'eux, ils ne sont pas des citoyens? Donc, au fait, ça permet d'aller vers ce qu'on peut dire citoyenneté. Est-ce que c'est, on peut voir plutôt citoyenneté comme en termes d'action, de ce que vous faites, ce que vous devez faire quand vous êtes membre de la société. Okay. Oui, mais aussi, c'est une question d'identité également. Une question de sentiment. Donc, c'est beaucoup de choses. Et là, on peut revenir dans la citoyenneté, on peut retrouver le civisme. Le civisme comme, je peux dire, le respect des lois. Donc, quand on est dans une société qui est reconnue comme telle, il y a des règles. Ces règles peuvent être juridiques, c'est-à-dire que c'est des textes écrits, par exemple, on a une constitution, on a nos textes, on a des lois, on a défini des lois pour payer les impôts, on a défini des lois, tout ce qu'il faut faire en tant que membre de cette société, on a des lois pour ça. Ces lois peuvent être des lois écrites. Et là, nous sommes dans le cadre de civisme, en fait. Okay. Donc, c'est un sentiment également aussi de l'amour de ces lois-là et de leur respect. Mais on sait que quand on est dans la société, tout n'est pas réglementé juridiquement. Il y a d'autres lois qui sont des lois de vivre ensemble. Donc, il y a des petites choses de vivre ensemble qu'on appelle souvent les incivilités. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas, sur la route, vous ne pouvez pas cracher. Hein, quand vous êtes sur la route, vous pouvez sortir et puis vous crachez n'importe comment. Ou bien, vous êtes sur la route, vous insultez. Cracher ou clasher? Cracher. Oui. Vous êtes sur la route et puis vous voyez qu'un citoyen est sur la tête. Au calme. Ou bien il est sur la moto et puis. Et jette tout. Alors que vous êtes sur la route, vous voyez. Ou bien. Et que vous êtes à moto peut-être derrière lui. Voilà, donc c'est ça. Ou bien on est en circulation et puis les gens s'insultent. Hein, à tort et à travers. Ouais. Bon, voilà, donc c'est des petites choses. Ça, on ne peut pas arrêter quelqu'un et dire. Vous allez en prison parce que vous avez craché sur la route. Mm-hmm. Non, ça, mais c'est des manières de vivre qui nous...
qui ne sont pas acceptés en tant que tels. Donc, on va vers là. Maintenant, si on revient sur ce qui est la patrie, vous nous parlez que de ça depuis le matin. Mm-hmm. La patrie, c'est l'amour pour son pays, donc pour sa société. Et si j'aime mon pays, par exemple le Togo, je dois connaître ses histoires, je dois connaître ses lois, je dois connaître les hommes qui font ces histoires, les hommes d'État, les hommes du passé comme ceux qui font aujourd'hui. Je dois, quand on dit aimer un pays ou bien aimer sa patrie, être patriote, c'est de l'aimer aussi avec les défauts. On n'a pas dit que voilà, il faut toujours bon être dans tout est bon, au Togo, on a tout ceci. Oui, mais on s'aime, on aime notre pays parce que on aime aussi ses défauts. Yeah. On pense que ses lois sont bonnes. Mm-hmm. On pense que ses dirigeants sont bien, sont compétents. On pense que les citoyens sont respectueux. Donc, on pense que on ne peut pas s'en passer. Au fait, c'est notre, on aime son éducation, c'est ça. Au c'est fait, notre richesse. Oui, je peux dire encore que la société ou bien le pays nous a donné quelque chose. Moi, si j'ai fréquenté jusqu'à un niveau, seul, je ne pourrais pas le faire. Donc, c'est la société. Puis, je ne peux pas payer les enseignants, moi seul, mes parents et autres. Je ne peux pas payer les enseignants à l'université. Ben, on m'a enseigné le prix, on paie les enseignants, mais l'État contribue. Donc, c'est tout le monde qui contribue. Donc, ça veut dire que mon éducation, c'est mon pays qui me l'a donné. Donc, je l'aime. Et en retour, maintenant, en tant que produit de cette société ou de ce pays, je devrais, donc, en retour, être redevable à ce pays-là. Et une des institutions que je peux donner comme exemple patriotique, c'est aussi les militaires, par exemple. C'est un exemple que je donne. Je ne dis pas que c'est ça seulement ça, mais les militaires, vous voyez un militaire, par exemple, qui doit faire quoi ? Son rôle, c'est de défendre le pays. Le pays, citoyen. Et quand il y a quelque chose, une agression, il y a terrorisme, il y a tout, ben lui, il va pour combattre cela. Exact. Et donc, ça veut dire quoi ? Il ne va pas penser, j'ai ma femme à la maison, j'ai mes enfants, est-ce que je vais aller combattre, on va me tuer ? Non, pour lui, quel est le plus important? C'est son pays. La défense du pays. La défense du pays. Donc, il est prêt à aller combattre, à se sacrifier. Et donc, si vous êtes patriote, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire du mal à votre pays. Vous ne pouvez pas ne pas respecter ses lois. Mm-hmm. Vous ne pouvez pas nier ses réalités. Vous devez connaître, nous devons nous référer. Nous devons aussi avoir des modèles qui sont nous. Bon, c'est ce que je peux dire pour le moment, pour ne pas trop... D'accord. Si vous alors, vous avez parlé de beaucoup de choses en citant les incivilités, l'amour du pays, etc. J'aimerais savoir, pour devenir un bon citoyen, comment être engagé et actif dans son pays? Oui. Pour devenir un bon citoyen. Oui. Oui, parce que l'adjectif est important. Pour devenir un bon citoyen. Sinon, si pour devenir citoyen, je crois qu'il faut résider, n'est-ce pas? Bien, il faut avoir tout faire pour avoir les papiers d'appartenance à ce pays-là. Ce pays. Oui, je suis d'accord. Il faut vous dire que pour être citoyen, ça c'est ça que on appelle citoyenneté juridique. Pour être citoyen, il y a des critères. Voilà. Vous voyez notre nationalité. Un Togolais, la fonction publique, n'importe qui, on va vous demander votre nationalité. Vous voyez? Parce qu'il y a des fonctions, on suppose que c'est pour le pays. Donc, quelqu'un d'autre ne devrait pas être là. Et bon, quelqu'un peut-être de notre pas pays. Aimer, etc. Mais ça va aussi au-delà. Ça va aussi au-delà en termes de pratique. Et c'est là où peut-être on vient sur la notion de bon citoyen. Bon citoyen. Bon citoyen, parce que vous pouvez être membre du pays, mais si vos actions ne correspondent pas, ou vos actes, vos comportements, ne correspondent pas à l'idéal, au bien collectif. Là, on peut, parce qu'il arrive qu'on va vous dire, vous n'avez pas droit à certaines choses. On vous déchu, vous êtes déchu de votre nationalité, par exemple. Ou bien au contraire, vous avez posé un acte de bravoure au profit de l'intérêt collectif. Et là, on vous décore. Oui, c'est la sanction pour dire, vous êtes sanctionné, couronné, décoré, etc. Donc, le bon citoyen, en fait, c'est mélangé à la fois, comme je le disais tout à l'heure, en définissant la citoyenneté, qu'on peut retrouver civisme, civilité, patriotisme, tout ça là. Donc, le bon citoyen, là, c'est celui qui respecte les lois de son pays, celui qui pose des actes en conformité avec ce qui est admis, ce qui est bien. Et là,
vous ne pouvez pas, si vous êtes un bon citoyen, vous ne pouvez pas voler l'argent du pays et l'utiliser ailleurs. Mmh. Si vous êtes un bon citoyen, vous ne pouvez pas ne pas payer l'impôt. Ah oui. Si vous êtes un bon citoyen, vous ne pouvez pas, je veux dire, renier votre pays. Vous êtes un bon citoyen, bon, mal donc, parler. Tout ce qui rentre dans le bien collectif, tout ce qui va dans le sens de la beauté du pays, si vous n'êtes pas dedans, c'est que vous êtes un mauvais citoyen. Donc on est patriote, c'est ça, non? Bon, le patriotisme fait partie, oui. Un bon citoyen, c'est celui qui est patriote. Un bon citoyen, c'est celui qui ne pose pas des incivilités. Un bon citoyen, c'est celui qui n'est pas incivique, entre guillemets. Mm-hmm. Ouais, donc le bon citoyen, c'est celui qui est patriote, c'est celui qui pose des actes qui respecte les lois du pays, etc., etc. Ok, allons dans le sens du bon citoyen. Il y a certaines lois que le gouvernement entretient ou bien prend, vote, et les citoyens ne sont pas d'accord. Et ils font des marches et cassent des choses en désordre. Alors, comment un bon citoyen peut faire pour influencer positivement les lois que son gouvernement vote, pour qu'il ne soit pas dans le déni de son pays ou bien détruire les biens publics? Alors, merci. D'abord, il faut dire que c'est le citoyen qui fait, ou bien c'est les citoyens, ce sont les citoyens qui font les lois et qui les défendent aussi. Si je dis les citoyens, ça veut dire quoi? Les autorités, ou bien ceux qui, vous avez dit que les gouvernants ont fait les lois. Mmh. Mais les gouvernants, ce n'est pas non seulement des citoyens, mais c'est les citoyens qui les ont désignés. Donc, puisque tout le monde, nous tous, on ne peut pas prendre la décision. Mm-hmm. On ne peut pas, bon, s'il faut demain, s'il faut balayer la route, tout le monde, on ne peut pas prendre cette décision, tout le monde, tous les Togolais, ensemble. Donc, il faut des gens qui parlent au nom de tous. Donc, si le gouvernement, ou bien l'Assemblée, ou bien les élus élaborent des lois, cela suppose que c'est une loi une loi élaborée par tous. Mm-hmm. Maintenant, il peut arriver que ce que ceux qui sont désignés ont fait, peut-être il y a une incompréhension ou des choses où la masse n'a pas, les autres citoyens n'ont pas bien compris cela. Ils peuvent demander des explications. Quand on parlait de marche, par exemple, c'est reconnu par la Constitution. Je disais que tout doit être fait par les tests. Ça, c'est ce qu'on appelle la participation conventionnelle. Il y a les tests qui encadrent la façon dont vous devez faire des réclamations, faire des demandes, influencer les décisions des dirigeants qui sont là. Parce qu'eux aussi peuvent faire des erreurs. Donc, il y a des choses. Donc, si vous restez dans le cadre de ces lois-là, eh bien, vous n'avez pas de problème. Vous êtes un bon citoyen. Donc, si la manifestation est prévue, maintenant, si vous faites une manifestation et il y a une école, vous cassez l'école. Là, vous n'êtes pas un bon citoyen. Ouais. Puisque l'école, ça n'appartient pas aux dirigeants. Comme je le disais, c'est à nous tous. S'il y a l'université, c'est pour nous tous. S'il y a quelque chose, tout ce qui est le marché construit, c'est pour nous tous. Les pavés, la route, c'est pour nous tous. Donc, si vous vous permettez d'aller détruire le pavé, c'est que vous vous détruisez. Donc, un bon citoyen ne peut pas poser un tel acte. Mais ça ne veut pas dire que le citoyen ne doit pas aussi manifester. Ça veut dire que, c'est ce que je dis, il faut que ça soit cadré par les tests. Mm-hmm. Mais en dehors des tests, ça, vous êtes dans hors loi. C'est-à-dire, vous n'êtes pas... Voilà, vous ne respectez pas les lois. Maintenant, la participation, comme je le disais tout à l'heure aussi, il y a le volet juridique, mais il y a des choses qui ne sont pas aussi écrites. Et là, on est dans ce qu'on appelle la participation non conventionnelle. Mais il faudrait que ça aussi, ça concourt au bien de tous, pas pour détruire ce qui est public, ce qui est à nous tous. Mmh. Voilà. Moi, j'ai une question pour clôturer. On parle beaucoup de ceux qui résident ici. Je voudrais parler de la diaspora, ceux qui sont peut-être partis depuis des années, pour une raison ou pour une autre. Ils manifestent leur patriotisme, leur citoyenneté. Alors, tout à l'heure, il y a un message que vous avez lu, je ne sais pas, c'est de la Côte d'Ivoire, ouais. Il dit, je salue mes parents, tout le Togo, je salue. Ouais, j'étais un peu, je me suis dit, bah voilà, ça dit que c'est une manifestation de l'amour pour son pays. Ça, il peut être, comme on le dit,
il peut être ailleurs. Mais, comme on le dit, il y a un événement dit Doumenu. Voilà, donc ça suppose que, peu importe là où il est. Doumenu me soit frère. Les sites. Ce qui veut dire que ben, l'étranger n'est pas le même que le pays, en fait, n'équivaut pas au pays. Ce qu'on peut ressentir à l'étranger, on ne peut pas ressentir la même chose au pays. Voilà. C'est pour dire qu'on se sent bien chez soi, dans son pays. On se sent bien mieux. Bien mieux. Donc, peu importe le bonheur que vous avez retrouvé ailleurs, votre terre natale, l'amour, ce sentiment ne peut pas mourir, au fait. C'est un peu ça. Donc, allez-y. Donc, il y a, comme vous le dites, effectivement, les questions juridiques. Ça, c'est, ça on va débattre des résidents, des non-résidents. Mm-hmm. C'est les questions un peu juridiques. Mais personnellement, je me penche plus sur la pratique. C'est-à-dire la citoyenneté dans le domaine de l'agir que de l'être. Mm-hmm. Quand parce que les tests, nous savons, nos pays, on a des difficultés parfois. Vous avez des gens, on a des difficultés à avoir les pièces d'identité. Certains peuvent avoir jusqu'à avoir le bac avant de chercher sa nationalité. Mmh. Est-ce que pourtant on va dire que, voilà, vous voyez, les tests, c'est un peu compliqué. Mais je préférerais qu'on soit dans l'action. Que vous soyez, vous détenez les pièces ou pas, vous êtes au Togo, si vous mangez, après avoir mangé, après avoir bu, piwata, vous prenez les sachets, vous déposez sur la route, eh bien, vous posez un acte anti-citoyen, en quelque sorte. Donc, vous voyez, c'est ce que vous faites du bien. Ouais, y a un exemple, il y a des gens dans d'autres pays, qui peut-être un Togolais, d'autres pays, hein, qui se retrouvent ailleurs et qui posent un acte, et puis le pays l'adopte en même temps. On lui accorde la citoyenneté. Il devient citoyen français, par exemple, parce qu'il avait posé un acte tel, bravo, et puis on lui dit non, lui là. Et oui, mais qui ne veut pas. On a failli me donner ça. Ouais, hein. Donc, c'est. Non, moi. Dans mon village, par exemple. Ils ne t'acceptaient pas, c'est ça? Ah non, je me tais. Mais par rapport au patriotisme de la diaspora, je pense que c'est très important parce que, moi, je vois ça souvent par rapport aux matchs de football, où tu vois, même si les éperviers jouent quelque part, tu vois un monsieur qui est peut-être aux États-Unis, qui est togolais aussi, qui abat un drapeau togolais, qui prend une photo, qui dit « Allez, les éperviers ouais. », c'est toujours une fierté. Et puis, j'en parlais comme une petite blague aussi. Tous ces gens qui sont à l'étranger qui nous envoient des fois des transferts, par exemple, pour nous soutenir ici au pays, ça fait rire. Ça fait rire, mais c'est aussi ça, je pense. Et je veux dire que, qu'il y a beaucoup d'argent qui viennent de la diaspora, enfin des Togolais qui vont à la diaspora, leur implication en fait à l'économie du pays, en envoyant de l'argent à leurs cousins, oncles et tantes, que ça fait beaucoup aussi. Et donc c'est aussi une façon, une très bonne façon d'ailleurs, de contribuer au développement du pays. Donc, shout out à tous ceux qui sont à l'étranger, tous les Togolais qui sont à l'étranger, qui nous suivent, et que nous aimons tous les jours. Que la citoyenneté. La citoyenneté continue. J'aimerais du coup quelqu'un qui a vécu à l'extérieur avant d'entrer. Et ce qu'on faisait aussi, c'est d'avoir une communauté, de soutenir la communauté togolaise qui soit à l'extérieur. Par exemple, en Chine, on avait Acetor qui était... l'association des Togolais, on avait un siège, on avait un bureau, qui du président jusqu'au trésorier et tout jusqu'au ça. Jusqu'au vigile. Oui, jusqu'à tout, qui gérait tout ce qui était, qui a des soucis pour les bourses, pour tout ce qu'il y a. Ah, oui. On relayait ça à l'ambassade qui aussi relayait ça au pays pour que les trucs soient réglés. Donc déjà un peu avec ça, ça même lors des élections passé. Mm-hmm. Il y a des gens qui ont... On a essayé de faire les cartes d'électeurs aussi là-bas. Mm-hmm. Ça a permis à certaines personnes de pouvoir voter aussi depuis l'extérieur. Et je viens de dire, quand j'étais au FEMUA aussi, on a eu la communauté togolaise qui était là. Mm-hmm. Déjà, en fait, leur présence dans tout ce qui concerne leur pays, mm-hmm. c'est déjà beau. Et la célébration du 27 avril. Oui, la célébration du 27 avril. Pays, il y avait toutes les personnes. Il y avait du bobo. Il y a des gens qui chantaient là-bas depuis des années, qui étaient là. Il y a des camous, tout ça. Hein, il y a toujours ça. Ils ont des regroupements. Ils
parce que justement le Togo était à l'honneur. À la base, ça, oui, oui, ce que j'ai constaté, c'est que ce n'est pas tout le temps qu'il y a des regroupements togolais qui sont là. Mais le jour dans, là, dans la plupart des pays, si on prend chez nous ici Togo, déjà, si on prend chez nous ici, puisque citoyenneté, ça ne concerne pas que le Togo, hein, on est suivi partout, donc n'importe quel pays a une citoyenneté, un patriotisme. Et même d'ailleurs, beaucoup plus dur parfois dans certains endroits du monde que... Exactement. Mm-hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, il y a toujours des ressortissants. Sinon, il n'y aurait pas d'ambassade, en fait. C'est ça. Donc, dans n'importe quel pays, il y a des ressortissants. Et concernant le Togo, justement, vu que nous nous sommes togolais et nous parlons de notre cher pays, le Togo, comme Semefa le dit, dans la plupart des pays, justement, il y a aussi les ressortissants, des communautés, et des fois, ce sont des groupuscules. Ce sont certaines occasions, comme l'arrivée de notre président, peut-être, ou bien certaines choses qui font qu'on les... Pas toutefois, eux-mêmes, ils organisent aussi des trucs pour oui, parler... Oui, bon, puisque tu parles d'étranger, j'ai grandi à l'étranger également, et donc on avait aussi des communautés comme ça, où on se retrouve pour de petites choses. Mais pour se connaître tous, il faut forcément un élément qui est donc le premier citoyen. La plupart du temps, quand il est là, vous voyez beaucoup plus de Togolais que quand, entre nous-mêmes, on a une petite association Nectar, et puis on se retrouve chaque dimanche pour se partager un foufou. C'est quand il y a vraiment quelque chose de plus grand... Qu'on se retrouve, peut-être on se dit, mais la diaspora togolaise dans tel endroit est beaucoup plus forte, ainsi de suite, et on peut faire un pourcentage. Mmh. Et le plus important, c'est d'avoir son pays dans son cœur, quel que soit l'endroit de ce monde où on se trouve, et de tout faire pour justement pouvoir toujours apporter un plus. Et je crois que ce sont ces valeurs-là que nous défendons, et on espère que ces valeurs-là ont touché tous les Togolais qui nous suivent de par le monde et qui ont l'habitude de nous écrire. Quelqu'un nous a écrit d'Algérie ce matin, j'espère que c'est un Togolais. Bon, je dis j'espère, parce que vous savez, quand on est patriote, on est un peu chauvin. Vous ne direz pas le contraire. Voilà. Donc, j'espère que c'est un Togolais qui est en Algérie. Mais même si ce n'est pas le cas, un gros coucou donc à toute la diaspora togolaise de par le monde, comme l'a si bien souligné Ilyas, qui a un gros... qui a quand même une force... Qui est une force économique. Qui est une force économique et c'est important. Merci infiniment, Monsieur Honda. Merci à vous, très cher monsieur. Je suis resté sur Afro-Baromètre. Oui, Afro-Baromètre, c'est effectivement un réseau de chercheurs qui posent des questions. On fait des enquêtes dans plus de 36 pays. Et que il y a beaucoup de questions d'identité nationale et ethnique, des différences, les questions de gouvernance politique, économie, vivre ensemble, beaucoup de questions. Et si vous avez besoin des thématiques, de points de vue, c'est-à-dire la pensée, je peux dire la pensée des Togolais, par exemple, sur des questions précises, on peut vous les fournir sans souci. Je voudrais savoir ce que les Togolais pensent de la noix de coco et Népoupou. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous revenir dans quelques... Est-ce que vous pouvez nous revenir dans quelques jours pour me donner la pensée des Togolais du monde entier sur le Népoupou? Bon, là... La noix de coco. Vous d'accord. Le réseau... C'est une question de culture. Bien sûr. Bon, il n'y a pas de souci. Le vote de l'Alliance est enregistré. Enregistré et sera transmis. D'accord. Merci. Donc, on vous retrouve dans quelques jours pour pouvoir nous donner le résultat de cette enquête. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous en consommez? Bien sûr que j'en consomme. Avec du gari? Bien sûr. Ah! Avec du gari, oui, c'est une belle expérience. Ouais, parce que je vous vois, je sens qu'on se ressemble un peu. Non, mais moi, vous me connaissez, je suis trop fan de Ené et du gari. C'est une combinaison qui ne rate jamais dans ma bouche. Ça passe toujours. Ben voilà. Merci infiniment. On va poursuivre cette émission-là. C'est une spécialité, on dira togolaise, hein, ouais. La noix de coco sèche, pour ne pas dire sec. Avec du gari. C'est ça. Je ne sais pas si... Et du pain? Oui. C'est du... Avec le gari avec du pain? Non. Noix de coco avec le pain. Ou du gari. Noix de coco sec, comme ça, là. Pain. Avec du pain qui est sec. Hey, c'est doux. À quoi ça doux? Il y a tellement de choses que vous n'avez pas à commander. Et ça me met mal à l'aise.
Ouais, c'est, en fait, c'est croquant et ouais, ça me fait du bien. Et puis c'est. Je vais même en manger aujourd'hui. C'est croustillant. Un bon moment que j'ai plus mangé. Une noix de coco avec du pain. Oui. Demain. Vous êtes déjà là, Elias. Ah oh. Surtout pain sucré. La vie, cœur sur toi. Merci beaucoup. Allez, avec la complicité de notre belle Gisèle qui est aux commandes aujourd'hui, qu'on n'a même pas pris le temps de saluer, tellement Elias nous a emportés dans un autre monde, ainsi que toute l'équipe qui est de l'autre côté. On va vous permettre de souffler avec ce petit clip et juste derrière, on va retrouver les deux poupouvouis du plateau pour pouvoir nous donner et le livre du jour et les pépites de beauté du jour. Afrique country boy, Milli, yo presque. Check, tout le temps c'est tout le temps ça. Hey, mais dis-moi, qui a dit ça? Audio. Check, qui a dit ça? Qui a dit ça? Check, laissez on les parrains amis les Dima. PAP son yoba les Dromia. Dans ta fête, elle sort des rappers de Timia. Ciao, Fifi tole Hunamia. En tout cas, au bébé, n'y a mis ma gobe, loi, mais tiens, je blé, t'es qu'un bébé, viens, mais tracolé, ou fils, y'a qu'on y busy. Fond dans la lampe, mais voir, on trouve l'autre, la grimpe, les deux, mais on laisse sa mèche, voilà, on laisse sa pousse. Elle faisait la fête, on l'a doté avec une bague, bon marché. Check, ils disent qu'ils contrôlent le game, mais les gamers les connaissent pas, nous on parle pas, on laisse parler, nos os paraissent quand leur son de masse, plus qu'ils ont déjà les jobés, on est community manager, il y a communauté, que yo les manager, on leur fit des cannes, les cannes, les quoi, bien, les levées, les temps, les amis, on blé, ou gamer, et les gangs, ça compte, tu dois tout le monde. Ah bon. Tu ne manges pas d'affaires, ah bon. Que tu n'as pas de dignité, ah bon. Que c'est ta go qui te nourrit, ah bon. Oh ma Angelina, ah bon. Ça raconte que tu vends Jessica, ah bon. Oh ma Masita, ah bon. Oh bon, les iPhone, la voilà, tu m'aides, ah bon. Comme carré, ils sont pressés. Comme des chiens, je vais les dresser. Aïe, 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 ça veut me tester. Si tu m'arrives à la cheville, n'oublie pas de me nouer mes lacets. Je suis pas là, je suis là-bas. C'est là, malade, je l'ai, balade, flot de malade. On fait du sale, la bitch avale, niquage, anal, ça devient banal, et c'est pas mal. Et combien de têtes sont tombées? Y'en a tellement, mon compte de victimes affiche complet. Laisse-moi te confier, j'étais tellement de carrière, je crois que dans une autre vie, j'étais pompier. J'ai parqué, parqué au premier, on sait déjà que les premiers finissent derniers. Quand je parle, ils deviennent tous muets que des fermiers. Ça raconte que tu dois tout le monde, ah bon. Que tu ne manges pas d'affaires, ah bon. Que tu n'as pas de dignité, ah bon. Que c'est ta go qui te nourrit, ah bon. Oh ma Angelina, ah bon. Ça raconte que tu vends Jessica, ah bon. Oh ma Masita, ah bon. On va plus être dans quoi la dimanche, ah bon. C'était Togo bien d'énigme lon lon là. En fait, le problème c'est que quand tu chantes, on dirait, tu sais, les émissions pour enfants qu'on fait sur la TVT. Non, bonjour, je m'appelle Sandra. Je vais vous chanter une chanson. Togo bien d'énigme lon lon là. Voilà. Elle est toute mignonne, quoi, en fait. Alors, il y a ce message que je vais lire qui me fait très, qui dit bonjour, Nectar. Bonjour. Merci beaucoup pour les explications de notre invité. La patrie, c'est dans le sang. Quand moi, je rentre au pays, je vous assure, dès que je suis aux frontières ou à l'aéroport du Togo, mon humeur change, ma démarche change. Une joie m'anime. Je sens que je suis arrivée sur la terre de mes aïeux. Mon épouse n'a jamais compris cela et me traite des fois de malade. Nous sommes malades du pays, de notre pays, le Togo. On l'aime trop. Alors, bonjour, on mange noix de coco avec Sakomi. Essayez voir. Sakomi. C'était quoi le truc dont on parlait hier? Feu sur toi. Feu sur toi. Sakomi. Le fouet sur toi. Sakomi, c'est un peu sec, non? Sakomi. C'est pas toi qui ne voulais pas vous. Non, mais on parle de soupe de cono moelleux. Tu vois, soupe de cono. En tout cas. Alors, bonjour Nectar, bonjour. Bonne émission à vous. La noix de coco avec Sakomi et pain sucré. Pardon Aïcha, si tu manges, tu ne donneras à personne. C'est très doux. Il faut essayer. De la part de Marie depuis le Gabon. D'accord. Bon, merci Marie, tu connais après, la chose. Et après, il faudra beaucoup boire. Faut avoir l'eau à côté. Beaucoup boire, monsieur.
Bonjour à vous tous, comment est-ce que bonjour, vous allez? Super. Noix de coco avec Gary. Tu as fini de manger ça, tu peux battre ta belle-mère. Oh, tu peux battre ta belle-mère tellement ça t'a saoulé. Tu sais, des fois, tu es bien rassasié, mais tu prends encore ça, quoi. Ah bon? Oui. Ah, ma fille, tu as vécu des choses. En tout cas, je devais moi, rien je dire. Moi, je prends, hein. Non, je prends. J'en ai même pris hier. Ah hey oui, témoignage vivant. Ah ouais, je dis, ça. Vous qui mangez ça là, on voit vos formes. Émilie. Ah oui, c'est ça. Quand tu vas c'est finir, une très belle envie qui je dis quand tu vas finir, nous sommes là pour toi. Hein. On a le, on le est... titre de l'œuvre, c'est noir. Voilà, on salue Monsieur Aouzou. L'émission est finie, non, c'est pas fini. Bonjour à vous, chers littéraires. Alors aujourd'hui, retour au Togo pour découvrir l'œuvre d'une Togolaise nommée Koko Essenam Kwevi avec son roman Myriam ou la rose noire. Voilà, Myriam ou la rose noire. Et c'est quand même un roman qui est sorti en 2011. Et c'est un roman qui parle de l'histoire de Myriam, cette jeune fille là qui a commencé sa vie en étant enfant, voilà, innocent, mais qui va se voir violée par son père parce que en vrai son père a reçu un conseil de la part d'un marabout qui lui a conseillé cela. Donc ça a été vraiment dur, ça va être dur pour notre héroïne de ce roman. Après le père va être poignardé par le frère de Myriam parce que il n'avait pas aimé l'action du père, et juste après le père va se retrouver aussi en prison. Maintenant, une fois le père en prison, la maman de Myriam va confier Myriam à une connaissance à elle nommée Rita dans le roman, dans l'objectif pour que Myriam puisse avoir une vie meilleure dans la capitale, parce que en fait l'histoire se déroule dans un village nommé Atigan. Alors Myriam va quitter le village d'Atigan pour se retrouver en ville dans la mesure de retrouver d'avoir une vie meilleure. Mais là encore les choses vont s'aggraver pour notre héroïne qui va se retrouver dans la main de la dame Rita, qui va l'utiliser, qui va faire d'elle son esclave finalement. Suite de l'histoire et fin, eh ben, le frère de Myriam va devenir des années après avocat et va rechercher sa petite sœur jusqu'à la retrouver. Et Myriam va se marier à la fin avec un nommé Julien qui va l'aider à sortir de ces situations-là. Alors comprenons que c'est un roman quand même qui expose nos réalités, les réalités que nous avons dans nos pays. Voilà, ce sont des choses qui se passent autour de nous. Et c'est un roman aussi qui nous conte l'histoire d'une vie qui peut commencer avec beaucoup de nonchalance, mais qui peut bien finir. Et c'est aussi un roman au travers duquel on découvre encore une fois notre pays, le Togo. Et comme je le dis souvent, c'est important quand même de consommer ce qui vient de nous. Et en matière de littérature, ne lésinons pas d'efforts pour le faire. Le roman d'aujourd'hui, Myriam ou la rose noire, et c'est de Koko Essenam Kwevi. C'est sorti en 2011, mais ça a été réédité cette année. Alors allez chercher dans les maisons d'édition du Togo et vous allez retrouver un prix quand même abordable. Sinon, on ne t'écrit pas pour le PDF? Non, je n'ai pas le PDF. En vrai, pour les romans du Togo, c'est difficile quand même d'avoir les PDF. C'est beaucoup plus conseillé d'aller payer pour participer à l'entrepreneuriat, je dirais, de nos auteurs aussi. Donc, précisément, aller au niveau de Audi pour voir si vous allez trouver, parce que c'est la maison qui l'a édité premièrement et c'est la maison dans laquelle vous pouvez aussi retrouver ce livre. C'est important des fois de faire des tours dans les maisons d'édition du Togo pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, pour toujours avoir un plus en matière de connaissances, parce que la lecture, je vais continuer pas à le dire, ça fait du bien, ça m'a fait du bien et sûrement que ça va vous faire du bien. Je disais quelque part la dernière fois que c'est important de commencer par lire aux enfants dès le bas âge, ça les aide beaucoup, même à votre petit bébé, commencez déjà par lui lire des livres. C'est vrai que quand on dit oh non, c'est trop, ça fait trop blanc et tout. Mais si on veut que demain, l'enfant puisse avoir toujours les mots pour se défendre, ça commence par le bas âge.
Ce sera tout pour l'œuvre du jour d'aujourd'hui. Coach en littérature. Hein. Alors, bonjour, comment vous allez? Noix de coco avec Akpan. C'est trop saut. Maya. Ça dit, c'est ça. Les gens développent en fait notre science. Dans, c'est ça. Je suis fier de vous, les amis. Sortez. Dites-nous. Alors, bonjour, peut-être avec Komozi. J'imagine un peu le goût, en fait. Ça va être bizarre. Hein. C'est Prince depuis Agoué. Vraiment, moi, c'est de la noix de coco avec Aboda. Ah ouais. Ça, c'est bien avec un peu d'Asie. Oui. C'est bon. Ouais. Avec l'igname grillé aussi. Oui. Aboda, non oui. Aboda. Vous avez dit Aboda. Tout au blifant. C'est bien. Blifant, tiens. Alors, vraiment, c'est très magnifique. Vous ne m'avez pas laissé terminer son message. Ah. Tu sens vraiment que tu es en Afrique et plus précisément au Togo. D'accord. Surtout bonjour. Quand il pleut là. Bonjour à vous tous. Oui. Bonjour. Bonjour. Tout ça, c'est à la plage. Donc, tu comprends. Non, quand il pleut. Tu vas à la plage. Bien, quand, dès que tu consultes la météo, quand on te dit va pleuvoir, tu vas à la plage du gari. Avec blifant. Avec du maïs. Aimé. Oui. Oui. Avec un peu d'arachide et puis. Blifant dada avec La vie, ça, il ne faut pas faire. Vous avez de ces choses que vous mangez, mais c'est bien. On aime trop. C'est bien. Alors justement, avec toi aujourd'hui, on va parler de coups de soleil et de quelques astuces pour pouvoir parer à cela. Effectivement, quand on parle de coups de soleil, beaucoup pensent que c'est lié au teint clair. Ça n'a rien à voir avec le teint clair, mais ça a à voir avec toutes les couleurs de teint. Pourquoi? Parce qu'on ne remarque pas trop chez le teint noir. Quand nous prenons Elias, Elias peut attraper un coup de soleil, mais il ne va pas se rendre compte parce que naturellement, son teint noir. Wanda, c'est pareil. C'est me fâcher. Toi, ça s'est corrigé. Il faut dire merci. Merci, Nami. Ça s'est corrigé. Donc, c'est juste pour dire que c'est lié à toute couleur de peau et à tout type de teint. Mais la plupart des temps, nous avons souvent l'habitude d'utiliser certains produits anti-solaires, mais qui ne sont pas adaptés à notre... à notre climat ici. Donc, il y en a qui vous diront, quand je vais à la piscine, je mets des produits. Il faut faire attention aussi à certains produits qui ne sont pas liés ni adaptés à notre couleur de peau. La peau peut attraper les coups de soleil. Chez certains, vous allez remarquer que c'est brûlé. On sent des brûlures ou des démangeaisons ou des irritations. C'est le coup de soleil. Mais on confond avec des allergies. C'est-à-dire. Oui. Le soleil vous brûle la peau, mais vous ne vous rendez pas compte. Et ça se. Au fait, quand vous voulez voir le côté visible, vous avez la peau plus terne, certaines parties plus ternes que d'autres parties. Et c'est souvent les parties qui sont exposées ou qui sont. Qui sont concernées. Nous avons le visage, nous avons le cou. Nous avons le décolleté. Ah. Chez certains, en fait, c'est d'un individu à un autre individu. Chez d'autres encore, c'est au niveau des mains ou de l'avant-bras. Et chez d'autres encore, c'est au niveau des pieds. C'est-à-dire, vous avez la jambe bien claire, mais les pieds sont un peu noirs. Et il y en a qui souffrent de ça durant toute leur vie. Parce qu'on ne se rend pas compte que c'est le coup de soleil. Et pourtant, nous sommes dans un pays ensoleillé. Nous avons le soleil qui a ses effets néfastes et avantageux sur la peau. Donc, si vous vous retrouvez avec la peau qui a changé et que vous remarquez que c'est le coup de soleil, il y a des remèdes très, très, très simples. Il y a plein de remèdes. Il y a des crèmes aussi adaptées à notre peau africaine, à notre peau noire, je précise, parce que la plupart des temps, nous prenons des produits pour peau claire, c'est-à-dire on nous ramène des produits anti-solaires, alors que nous venons de quitter un climat froid pour un climat chaud. Et ça ternit encore plus. Beaucoup l'ont expérimenté. Je parle d'une réalité, surtout quand il fait très chaud ces temps-ci. Beaucoup se retrouvent avec la peau, le visage un peu plus terne, le cou, des fois même l'avant-bras. Des fois même vous portez des tenues, vous rentrez, vous avez la peau en deux tons.
ce n'est pas dû au produit ni à quoi que ce soit, c'est l'exposition solaire qui touche certaines parties de la peau. C'est pour ça, si vous êtes sujet de coups de soleil, il faut avoir les produits qu'il faut. On n'utilise pas n'importe quel produit. Allez vers les personnes ressources, sinon ça s'aggrave. Et vous allez voir certaines personnes, quand ils se déshabillent, le corps est très, très, très beau, mais le visage et le cou et certaines parties sont très sombres. Alors que c'est les mêmes parties que nous hydratons plus. Mais c'est ces parties qui sont plus sombres parce qu'on n'utilise pas les produits adaptés, premièrement, à son type et à sa couleur de peau. Et surtout, on ne s'imagine pas que le coup de soleil fait ses effets sur notre peau. Oui, Elias. J'ai une question. C'est pour éviter ça que nos amis qui font des tontines, là, je crois. Les tontines. Les manches longues. Oui. Au fait, c'est ça. Les revendeuses, un peu. C'est pour ça même, si vous avez une activité en plein soleil, en plein air, il faut des produits qu'il faut. Vous avez une activité au feu, c'est-à-dire vous êtes tout le temps exposé au feu, il faut des produits. Vous avez une activité où vous êtes tout le temps fermé, là vous n'avez pas trop de problèmes. Le petit problème, c'est que vous êtes tout le temps dans la climatisation, la peau, il y a des petits plis où c'est frites, où il y a la déshydratation. Donc, nous avons chaque peau face toujours à un petit problème. Mais quand on ne s'y retrouve pas bien, on ne reconnaît pas, on sera là à utiliser d'autres produits à la place d'autres produits. Et après, on se plaint. Et après, on se retrouve même des fois à aller utiliser certaines lotions pour s'éclaircir le visage parce qu'on veut avoir la même couleur de peau que le visage. Mais on ne s'y rend pas compte que c'est dû au coup de soleil. Actuellement, il fait beaucoup chaud. La petite astuce, c'est de se laver le visage à l'eau froide, à l'eau glacée, si vous remarquez que vous avez des problèmes de coups de soleil. Vous allez remarquer, vous allez sortir de la maison toute fraîche, mais vous revenez, vous avez l'impression d'avoir la peau qui a terni. Il est conseillé de prendre l'eau naturellement fraîche pour se laver. Mais si c'est le visage qui est attaqué, lavez-vous bien le visage avec votre éponge ou votre gant de visage avec de l'eau fraîche. Ayez comme astuce de l'aloe vera. Okay. Naturellement. Sinon, nous avons des produits précis. Vous savez que vous allez passer toute la journée dans les courses. Nous avons des crèmes spécialement pour votre peau que vous allez appliquer. Là, c'est l'effet de coup de soleil. Vous allez voir une partie qui est fait plus clair, une partie qui a rougi. Là, c'est selon chaque couleur de peau. Donc, souvent, on croit que ça concerne les blancs. Mais ce n'est pas que les blancs, ça concerne aussi les peaux noires. Les peaux noires. Chez la peau noire, vous allez remarquer comme si c'est devenu plus noir ou plus foncé. Donc, vous avez les images à l'écran. Chez certains, c'est tellement visible. C'est très visible chez le teint clair. C'est pour ça qu'on croit que c'est le teint clair qui est concerné. Sinon, la peau noire aussi est concernée. On peut avoir une peau très noire, mais le visage ou le cou plus terne que les autres parties de la peau. Des fois, c'est les pieds. Comment on se protège ? Comment on prévient ? Oui, pour prévenir déjà, quand vous avez les remarques, il faut utiliser des produits adaptés à sa couleur de peau et surtout les produits contre-solaires. Mais je ne parle pas de n'importe quel produit contre-solaire. Parce que c'est les mêmes produits que vous allez utiliser et après, on se retrouve avec la peau plus ternie. C'est pour ça que je parlais du climat. Souvent, on nous ramène des occidentaux, des crèmes anti-solaires. Et vous allez voir, souvent après la piscine, on se l'applique, mais après on remarque que la peau est encore ternie. Déjà, le chlore ternit la peau. Le chlore ternit. Nous avons des laits, des petites crèmes de bébé et avec des pH neutres qui protègent la peau. Il y en a qui utilisent de très bons produits, mais ne savent pas que les effets du coup de soleil agissent. Alors là, vous allez utiliser vos produits, mais si vous sortez et que vous serez exposé, il faut des produits précis. Oui, alors justement, ces produits précis, on ne va pas faire de pub. Oui. On voudrait quand même avoir une petite idée, parce que la plupart du temps, quand on dit
Déjà, en tant que race noire, on n'est pas très convaincu du coup de soleil. Ouais. Maintenant, si on est convaincu, on se dit coup de soleil, et on sait que ceux qui sont prédisposés la plupart du temps à avoir ce genre de produit, ce sont les caucasiens, parce que leur peau est voilà. On va forcément aller vers là. Maintenant, les produits dont nous, on a besoin pour nous prémunir ou nous prévenir du coup, des coups de soleil, ces produits précis-là, lequel on peut avoir Nous avons, basiquement, nous avons le yaourt, mais qu'on ne peut pas appliquer pour sortir, mais peut-être après, au retour. Nous avons de l'huile de noix de palmiers. Nepimi. Vous avez le nepimi, vous prenez juste, vous mettez le doigt dedans et vous massez les zones qui seront exposées. Mais il faut avant. On peut le faire avant ou carrément au retour. Maintenant, la meilleure des crèmes, c'est des crèmes à base de lait de vache. Je devrais en apporter, mais c'était dans l'oubli. Donc, quand vous l'avez, vous l'appliquez, c'est tellement neutre que vous allez même au soleil. Vous sortez avec quoi? Et ça protège cette couche qui est touchée par les rayons ultra. L'eau de vache. Le lait de vache. Nous avons des crèmes à base de lait de vache. OK. Ou carrément chez vous à la maison, vous allez essayer de prendre du lait de vache chez les Fulani. Vous allez mélanger avec le lait peul. Vous allez mélanger avec le gel d'aloès vera. Vous allez le faire dans le misseur. Vous gardez chez vous dans le frigo et vous appliquez à chaque fois que vous êtes de retour à la maison. Mais pour sortir, vous avez des huiles bio que nous avons qui nous protègent, les huiles de jojoba, argan, coco, tout ce que vous voyez, vous voulez, qui vous protègent contre ces effets. Mais il faut déjà s'observer. Quelles sont les parties les plus sombres? Merci. D'accord. Merci beaucoup, ma belle Sandy. Et comme vous le savez, ces produits-là, on peut en trouver même avec toi. Pourquoi aller se gêner? Donc, 90 27 92 00. Si vous avez encore d'autres questions pour elle, 90 27 92 00. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission du jour. On était avec Jizou, comme nous l'appelons désormais. Monsieur Kinao. Qui d'autre? Monsieur Jean. Oui, qui d'autre? Papa Claude. Papa Claude, il est à l'intérieur. Il y a le jeune Judith. Gertrude. Judith, le stagiaire, il s'appelle Christian. Christian. Très beau prénom. Oui. Christian. Exactement. Un jeune homme très calme. Très calme. Très gentil, très poli, très doux. Je vois, je remarque. Qui tient de toi? Non, pas encore. On n'est pas encore en connivence en tant que tel, mais je pense que ça va se faire. D'accord. Ouais. Allez, merci infiniment à tous, Papa Claude, Bachana et le reste de la famille ici, et surtout à vous aussi, très chers amis téléspectateurs. Et pour notre ami de l'Algérie, on vous salue, on vous embrasse fort. Passez une très belle journée. On se retrouve demain. Bye bye. Bye.